ça a été effectivement exécuté. Voici le cours du source que vous pouvez utiliser pour générer if.5, maintenant la variable h, strictement inférieure à 20, transmet h et 4, et exécute. Donc c'est la commande sous l'espèce, c'est-à-dire que vous utilisez. Donc vous pouvez également aller dans le transport, compris par le et puis charger un en disant en modalité 2, si je vais revenir sur ma condition, si h supérieur ou égal à 20, parce que c'est bon, supérieur ou égal à 20, et h. H Q5 copier-coller là inférieur à 40, c'est moins inférieur à 40. Donc ma condition c'est que là je vais être la 30 là je veux 40, donc supérieur à 20, c'est moins inférieur à 40. Je vais cliquer sur continuer. Ok. Change existing variable. Ok. Voilà. Donc je vais faire transform. Ma troisième modalité, si l'âge est simplement supérieur à 40, donc je vais tout simplement supprimer ça et mettre ma question Q5 strictement supérieur à 111 personnes de moins de 20 ans, 318 entre 20 et 40, et puis entre plus de 40 et plus de 14 individus. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous expliquer. Nous avons permis de comprendre comment vous pouvez transformer les variables précisément qualitatives en quantitatives. Sur SPSS, vous pouvez également modifier certaines variables qualitatives en utilisant cette procédure-là. Je vous invite à vous intéresser. Voilà. Donc, c'est pas si compliqué.